Oui. Bonsoir, chers auditeurs. Nous sommes très heureux d'être là, là. Nous allons à présent vous donner les différents les titres de ce journal. En premier titre, nous allons parler des visites des chefs d'État en Ukraine. Et en deuxième point, nous allons parler de cette histoire de laïcité au Mali. Au troisième point, nous allons parler du football. Voilà. Alors, premier point, ouais. Mais vous êtes bêtes ou quoi? Quand on fait le journal là, c'est comme ça qu'on interrompt les gens là. Mais il faut que vous nous respectez là. Ça veut dire quoi ça? Alors, mais M. Laurent Bagnon. Non, mais il faut que je me respecte. C'est un garçon que je trouve intelligent. Il ne peut pas être bête jusqu'à ce point là. Qui nous respecte là? Alors, moi qui me respecte. Alors, en premier point, visite des différents, des chefs d'État ou je ne sais pas quoi en Ukraine, qu'ils veulent aider pour que la guerre n'a qu'à cesser entre la Russie et l'Ukraine. Voilà. Donc, nous avons pris des impressions de quelqu'un de sage, d'un grand visionnaire. On l'écoute là. Alpha Blondie dit Jagger. Merci, Bado. Alors, je voudrais tout de suite vous dire OK. Alors, bonsoir, Brice. Bonsoir, Brice. Merci de me donner le micro. OK. Alors, je voudrais vous dire ici que le président africain, OK, you know, ces marionnettes qui sont en train de se laisser manipuler, qui sont en train de se faire comme des écureuils, des personnes qui... Alors, j'ai honte. OK. Alors, mais Jagger, pourquoi? Alors, on va nos frères là. OK. Mais voilà des pays qui sont malades. Le Mali est malade, OK. Le Burkina Faso se porte pas bien. Alors, on se lève aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, regardez toutes ces inondations. On laisse ça. Yeah. On ne peut même pas trouver à Bodaouraï. Mais il y a trop de problèmes. Brice, il y a trop de problèmes, OK? Alors, ce sont les différents problèmes. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de mourir de rire. Ils ont brodé nous. Mais tout ça, là, ça fait partie du problème. Et nous, OK? Nos caniveaux sont bouchés. L'eau ne passe plus. Mais hier, là, il a plu à beau, là. Vous n'avez pas vu ça. OK? Mais il faut régler le problème de Burkinabé. Et ça, c'est pas encore fini. Vous vous levez là, vous faites de la comédie. Mais j'ai mal, OK? Ça suffit. OK? Mais ce politicien-là, au bout de terre fort qu'il a iré, au bout de terre fort qu'il a digué. Il t'a plongé pour te faire monter, si c'est le même encore qui se plonge. Abat le président, abat le général, vive le général, vive le président. Ça va, merci. Voilà, c'était le journal avec Jagger là. Donc vous voyez, moi je dis que c'est des humoristes, c'est des clowns qui se sont levés pour aller faire ces choses-là. Bon, deuxième point, on va partir rapidement au Mali là. Bon, il y a un imam là-bas, imam Diko, qui se lève pour dire non. Voilà, il était sorti pour dire non, Ibé sur le meilleur. Il applaudit quand il a fait sauter Ibeka. Aujourd'hui, c'est lui qui s'assoit pour dire ouais, que le petit, là, il va mourir. Qu'il va bientôt partir là. Mais cet imam là, c'est lui-même qui va mourir. Qu'il vienne me voir là. Il va recevoir un point de moi. Mais pourquoi il est versatile? Parce que l'imam dit, parce qu'on refuse que non, pourquoi il a refusé la laïcité. Mais le Mali a toujours existé comme ça. Laissez les gens libres. Bon, ce que je ne sais pas, le combat qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. Si un homme décide de devenir une femme, il faut combattre ça.
Si une femme décide de devenir un homme, il faut combattre ça. Mais les gens vivent leur religion. C'est fini là. Ce qu'il a dit là, c'est pas à cause de bien qu'il faut enlever là. Troisième point. Nous allons parler de football. Alors, dans ce football, dans ce point-là, nous allons prendre l'avis de l'expert en football. Coloco Jamos, vas-y, parle-nous de football là. Parle dans le micro. Tiens. Le championnat préféré. Il y a quelques semaines, et cette fois-ci, c'est la Coupe nationale qui fait son plein. Le Stella a été éliminé par la FAD. La SEC Mimosa a éliminé, bien sûr, l'équipe de Dinguélé. Donc, la finale le dimanche prochain au Star Robert Champeau. Tu m'as tapé, tu gifles, puis on continue. La canne, là. Bon, la canne, ça se passe très bien. Les infrastructures ici en Côte d'Ivoire, nous l'avons eu, le président Alassane rassure tout le monde que la CAN va bien se dérouler en Côte d'Ivoire. Et dans 5 mois, ça sera la CAN. Merci là, mais je vais vous dire quelque chose, le Burkina adore votre gardien de but. Gardez-le. Ne le changez pas en aucun cas. Le journal est terminé, à très bientôt. Wow.